Jenten. Deux adolescentes accro au réseau vont se retrouver dans une villa totalement coupée du monde pendant une semaine. Chaque jour, elles seront confrontées à différentes épreuves qui leur permettront de gagner ou perdre du temps de téléphone. Mon agent est déjà en route. La partie peut commencer. Salut à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose d'assez spécial parce qu'on ne sait même pas quoi. Oui. On ne sait même pas ce qui va se passer. On nous a donné rendez-vous sur le parking. On est dans le suspense le plus total. Avec Amy donc, qui est là, Hello. Lily Rose et les parents d'Amy. Salut. Donc moi et les parents d'Amy, on va laisser Lily Rose et Amy seules ici. Et apparemment il va se passer quelque chose. C'est un peu spécial. Et elles ne savent pas du tout ce qui va se passer. Et nous, il y a des chauves-souris. Et nous non plus. Il ouais, y a des chauves-souris. Y a des chauves-souris. Il est super tard et tout. Donc on va bien voir. Il y a des chauves-souris tout à l'heure. Mais c'est ma phobie de rester seule. C'est ta phobie de rester seule. Bon bah on va voir. C'est la première fois que, c'est la première fois qu'on fait un truc comme ça où on sait pas du tout ce qui va se passer. Donc bah nous on y va. Allez. Ok. Allez, c'est parti. Bisous les filles. Salut les filles. Bisous, bonne chance. Allez, ciao. Bye bye. Non, c'est faux. C'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un? On laisse la valise. Ouais, on court. On est sur un parking. Il fait froid. Je suis fatiguée. Je suis éclataxe. On court par là. Ah, imagine le deux gens tous les côtés. Ah, punaise. J'ai peur. Moi aussi. On va où là? Je sais pas. Bon. Soit. Oh là 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 là, je me dis, mais qu'est-ce qui a se passé? Qu'est-ce que je fais là? Mais on a... Attends, ma valise! Elle est toute pétée! Bon, là, je vois un mec qui sort de la camionnette avec Lily Rose. On est en panique. Je crois que c'est pour nous, la camionnette blanche, là. Oh non! Oh non, il y a quelqu'un qui nous suit. Non mais s'ils continuent à nous suivre comme ça, non mais c'est mort. Hein. Moi je reste même pas une minute dans l'aventure. Hein. Qui êtes-vous? Non mais vous êtes qui? Ah yes, super. Ah, c'était une fleur hein, sur le fond d'écran. Ouais. Pourquoi? Moi je m'en vais. Youhou. Viens avec ta valise. Moi j'ai un souci parce que ma valise elle est cassée. Oh non, j'ai peur. Au revoir. Je te laisse. Attends. Mais attends, je viens avec toi quand même. Oh, regarde comment il s'ouvre le coffre. Non, mais non, arrête, mais... Pas trop le choix et tout. Yes. Tu viens, Amy? En plus, je dois me mettre là. J'ai peur. Mais vous êtes qui? Il regarde d'un regard bizarre un peu. Pourquoi on est là? Pourquoi on s'est embarqué dans ça? Wesh! Bonsoir et bienvenue dans le jeu Jenten. À partir de maintenant, vous devez suivre les instructions que je donnerai. Vous n'avez pas le droit de communiquer avec l'extérieur, sauf autorisation. Dès maintenant, je vous invite à donner le téléphone à l'agent qui se trouve devant vous. Attends. Vous récupérerez votre téléphone à la fin de l'aventure. Moi je l'ai laissé dans mon van. Hein. Moi je l'ai laissé. C'est ma mère qui est là. Hein. Ben écoutez. Moi c'est ma mère qui est là. Hein. Non mais mes c'est flammes. Pas la... Attends vite fait, je fais mes flammes. Mais j'ai pas de wifi. Moi j'ai de la wifi. Bon bah écoute, tenez. Hein. Non mais j'ai peur. Faut le donner, Amy, faut le donner. Amy, faut le donner. Non, mais ma mère... Vous récupérerez votre téléphone à la fin de l'aventure. Ah non, c'est non. On monte dans la camionnette, on nous prend nos téléphones, ils parlent même pas. Et j'ai 400 points avec des gens. 45. Je te jure, je vais pleurer. Non, je vais pleurer. Parce qu'en fait, là, si on récupère pas nos téléphones, on peut pas contacter nos parents. Mais non, mais je m'en fiche, moi, mes flammes avant tout. Vas-y, on essaie de lui faire la discute quand même, parce que là... Vas-y. Est-ce que vous allez bien? On essaie de lui taper la discute, il ne parle pas. Le mec, muet. Putain, dans la forêt. Maman, papa. Non, t'inquiète. Je vois même pas la route, je sais même pas ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là, je me dis. En vrai, la vraie question, c'est... Nos flammes, en fait. Non, ça, ouais, déjà... Ensuite,
On fait quoi après? Est-ce qu'on va dormir? Est-ce qu'on va revoir notre famille? Nos téléphones? Revoir nos téléphones? Où on va? Mais elle a dit qu'on récupérait nos téléphones à la fin de l'aventure. Ouais, mais c'est quand la fin de l'aventure aussi? Bonne question. Vous êtes maintenant arrivé devant la villa. Vous devez trouver le moyen d'y entrer. Je vous souhaite une bonne soirée. Bah, et bonne chance. Bah, merci. Mais on va pas y aller tout seul, hein. Fais loin. Bah, déjà, où c'est en fait? Vous êtes maintenant arrivé devant la villa. Bon, bah. Vous devez trouver le moyen d'y entrer. Attends. Je vous souhaite une bonne soirée. Ok. Et bonne chance. Avance. Avance. Oh, c'est là? Pourquoi tu t'es stoppée comme ça? Je sais pas, je sais pas. Attends, c'est quoi ça? Bah, faut trouver le code et dessous. Ah! Attention, attends, je suis sûre. Attends, non, je suis sûre que c'est ça le code, attends. Non. Peut-être dans les ballons! Voilà, faut peut-être les percer les ballons! Ah, j'avoue, mais on a rien pour percer. Attends, si, peut-être ça. Y'a ah, rien, y a rien dans les ballons, mais y'a rien du tout! Elle s'est crue dans la classe à Madame Gisèle, dans la cour de récréation, dans la primaire. Elle joue à saute-mouton. Monsieur, maintenant que vous êtes là, vous pouvez nous aider? Ça? Voilà, je te... Les ballons! Mais... Faut crever les ballons! Ah, attends. À l'intérieur, il y a quelque chose. Et bim, c'est qui Robert Einstein en fait, Lily Rose? Eh bah oui, c'est moi. Je t'avais dit que c'était dans les ballons. Ouais! J'ai 2010. Ok, c'est bon. Yes! On ouvre la porte et là, on voit la villa, mais iconique. Une villa typique de Los Angeles. Enfin, ouais. La musique, elle fait peur. Oh! Ça fait peur, mais en même temps, c'est beau. J'enlève mes chaussures, hein. Je suis beau. Ouais. Rien. Mais non, mais... Ah. Tu sais quoi, ouais. On va le remettre parce qu'il y a... Et... Aide-moi. Je t'aide. Voilà, bon. Ben, non, mais non, je pense qu'il faut rester là. On nous a dit... Voilà. Ah, faut venir. Ah, la maison. Waouh, seul point positif de l'aventure, la Casa Nibella de mes rêves. C'est drôle en même temps, pas vraiment. Ah ouais, bah pour le coup, là, je suis d'accord avec toi. Stylé! Stylé, pas du tout. Oh, waouh! Yeah! Première épreuve. Rendez-vous dans le salon en silence. La voix, comment on peut l'appeler? Frédéric! Désolée, non, désolée. C'est vraiment du manque de respect, j'avais un deuxième. Tiens-toi bien. Quoi? Et mise en action. Les deux premières heures ne t'ont pas suffi. Pour la peine, je te rajoute une heure supplémentaire. Tu passes à 3 heures de téléphone en moins. Moi? Et glace à la vanille avec un peu de colis. Le jeu commence non. Le gorille. Il y a King Kong qui débarque là du zoo. Non mais qu'est-ce que c'est que ça là? On n'a plus de punition là. Mais il y a trop cru qu'il allait me faire peur ce gorille. Moi je fais. Oh! J'ai fait une course-poursuite Candé là. Je prends toujours un oreiller, on sait jamais. Moi j'ai une valise. On a okay. Compris. Oh. Yeah. Pardon. Le salon, Lily Rose, c'est là! Mais c'est là, c'est là!
La Jetbox. Pour gagner des heures de téléphone supplémentaires, le joueur libre doit trouver les 4 buzzers cachés dans une des pièces de la villa dans le temps imparti et les disposer dans l'ordre sur la Jetbox. Il devra ensuite faire deviner au joueur resté dans la box la combinaison de couleurs uniquement grâce au son des boutons. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Amy! T'inquiète. Déjà, ouais, bravo, allez! T'en as trouvé combien? Allez! Bravo. Ouais, allez, Amy! Non, mais là, c'est pas possible. Hein. Trouve! Là, je l'encourage comme à la Coupe du Monde du Brésil. Mais dépêche! Allez! Ouais, bah t'inquiète, mais... Ah, mais non, mais non, mais non! Moi, Lily Roche, j'y arriverai pas, hein! Je suis au stress maximal, ce bouton-là, j'arrive pas à le trouver. Je m'attendais pas du tout à ça.